Salut à tous et salut à toutes, c'est VisiGaming. Aujourd'hui, on va se retrouver sur Black Ops 3, Call of Duty Black Ops 3, et on va faire un jeu d'armes. Donc, jeu d'armes, c'est un mode de jeu que j'ai découvert il y a pas, bah, hier en fait, avec j'ai fait des games en 1v1 avec mon pote ZAF. Je vais quitter, je vais relancer direct, ça va être plus simple pour trouver une partie, je pense. Donc, ce jeu d'armes, c'est quoi? En fait, jeu d'armes, c'est on arrive sur une map, on a un petit flingue. On tue quelqu'un, on a deux flingues. On tue quelqu'un, on a une autre arme. En fait, c'est à chaque fois qu'on va faire un, qu'on va tuer quelqu'un, on va changer d'arme à chaque kill qu'on va devoir faire. Si on se prend un coup de cut ou on se fait finir au coup de poing, on redescend d'une classe. Et le but du jeu, c'est d'arriver à faire, je pense, c'est 20 kills, 20 points en finissant par les points et juste avant le coup de cut. C'est un jeu d'armes assez cool. Ça nous fait vraiment tourner avec plusieurs armes. Il y a aussi une spécificité dans ce mode de jeu, c'est que le radar il est toujours actif, comme ça on peut vraiment se voir tout le temps. Là je sais que sur ma gauche il y a un ennemi, je vais essayer directement de l'avoir. Et comme je suis une merde, bah j'y arrive pas. Ouais, je suis une grosse merde. Je suis une grosse merde. Donc j'arrive pas. Voilà. Là, il y en a la deuxième. Et voilà, ça c'est un problème que j'ai aussi. C'est que à chaque fois que je fais un double saut, j'aimerais bien tirer en l'air. Mais je mets un coup de crosse. Je sais pas pourquoi. C'est un peu embêtant. Mais je vais essayer de régler ça. Voilà. Alors là, c'est vraiment de la chance. Voilà. Et un mec est déjà 7 kills quoi. 9 kills. Putain, ça se trouve, je joue avec Skyros, mon gars. Putain, ouais, ben c'est quoi ça? 9 kills. Ah, franchement, il y a des mecs qui sont super bons sur ce jeu. Putain, mais c'est quoi cette arme en merde, en carton-pâte? Elle tire des Playmobil ou quoi? Mais c'est un fusil à pompe ça ou pas? Bah ouais, c'est un pompe. Comment se fait que le pompe il tue pas une seule balle? Putain! Hop, par là. Elle est à terre. Une balle à mort. Par là. Donc franchement ça change vraiment de la mêlée générale et de la MME. C'est super, enfin moi je trouve ça super cool ce système de jeu. Attends, on va remonter là. Merde. J'ai l'impression que pas par pour l'instant pour j'ai fait une game hier avec mon pote en 1v1, là juste avant j'ai fait une game pour me mettre dans le bain pour pas que ce soit non plus la première game du jour. Même si c'était ça je pense que je serais pas meilleur non plus, mais c'est pas très grave. Et j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de campeurs en fait. Putain. C'était beau, on peut se l'avouer ou pas, c'était beau. Mais j'ai joué comme une merde. Il y a un mec là-bas. Il y a un mec là. Putain, mais je le touche quoi. C'est ouais, moi j'ai du mal avec le radar. C'est
Ouais. C'est bête, hein. J'aimerais bien le... Hop. Je suis loin, hein. Je suis loin, je suis 2, 4, 5. Les mecs, ils font vraiment... Ils commencent leur game comme des fous, quoi. C'est beau, hein, quand même, de faire ça. On s'en fait une deuxième tout de suite. Alors, je sais pas si je vais faire une ellipse entre les deux, mais en tout cas, on peut s'en faire une deuxième tout de suite, comme ça, ce sera plus... un peu plus longue la vidéo, ça peut être cool, quoi. Donc, on se retrouve tout de suite pour la deuxième game, allez. Voilà, on est reparti pour une deuxième game. J'ai changé de héros, j'ai pris Pointe de Choc, bah, parce que je préfère incarner un homme qu'une femme. Je trouve qu'en rôle, en termes de roleplay, je parle toujours roleplay, moi. Je sais pas pourquoi, j'aime bien m'intégrer dans le jeu. C'est beaucoup mieux. Là, on arrive sur la carte Aquarium. J'ai jamais joué en jeu d'armes. Ça peut être cool. C'est une assez bonne carte. Il y a des bonnes patterns pour tourner, quoi. Hop, il y avait un mec derrière moi. Voilà. Hop. On va essayer de faire une game up. Oh putain, le mec il a visé partout. Mais non. Là, il y a un mec devant. Merde. Et puis là, et puis là. Voilà, c'est bon. C'est l'arme que j'aime le moins, en fait. J'arrive pas à viser. Putain, mais lui. Ah, lui. J'avais vu le marqueur rouge dans l'eau. Je me suis dit, merde, comment ça se fait? Je me suis jeté dans l'eau. Et ouais, putain, mais si vous commencez à camper comme ça, les mecs, mais ça va pas le faire, hein. Surtout, c'est un jeu d'armes comme ça. Ça sert à quoi de camper? Y a pas de ratio. Les mecs, même sans un ratio, ils arrivent encore à camper. Hop. On va te faire un peu plus de déplacement. Voilà. On va essayer de se mettre à l'abri là. Y a un mec qui va arriver derrière, je pense. Jouer avec une manette traditionnelle, hein, donc faire des sauts, tourner la caméra, ça peut être un peu chaud quand même. Hein. Mais bon, y a pas d'excuse. C'est une map assez ouverte ici, j'ai l'impression que je peux me faire tirer partout. Il y a un mec là, mais j'arrive pas à l'avoir. Il est peut-être derrière moi. Ah putain, mais il m'a fait quoi lui? Il était clair avec sa première arme? Ah, sa deuxième, je veux dire. Ça m'a fait plaisir de l'aider. Ah, putain. L'Argus, c'est quoi? C'est un pompe aussi, l'Argus, hein. Mais je suis une de ces crottes. Mais je suis une de ces merdes. Oh là là. Oh là là. Mais c'est pas bien, monsieur, de faire ça. Bon, moi, je suis plus avec le pompe. C'est quoi, ça? Un fusil d'assaut ou mitraillette? Je sais pas, mais en tout cas, c'est... Ouais. Oh, oh, il m'a... Oh, my cœur. Et comment c'est que je le touche pas là? Il est dans mon viseur, hein. Menace neutralisée. Ouais, c'était pas une arme très très. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un là. Voilà. Ah putain. Après, ce qui est cool dans ce mode de jeu, c'est que vraiment qu'on va contrôler plusieurs armes. Moi, au snipe, je suis une grosse crotte.
Et jamais je me dirais, bah tiens, je vais prendre un snipe. Et en fait, ça peut être cool en vérité de tourner sur des armes comme ça. Avec lesquelles on n'a pas forcément l'habitude. Bon, là, c'est bon, je suis sûr de pas gagner ma game. Bon, après, c'était pas forcément le but non plus. Là je vous fais découvrir un mode de jeu qui peut être cool. Puis on sait très bien que je suis un très mauvais joueur, quoi. Soldat à terre. Après, je demande aussi à m'améliorer, hein, si vous avez des remarques à faire pour m'améliorer. Putain, mais merde. Mais même comme ça, je l'ai pas, quoi. Je sais pas si je dois augmenter ma sensibilité ou la baisser. Là, actuellement, je joue à 9. Putain, mais même là... Je joue à 9 de sensibilité, là... J'ai l'impression que ça va, mais il y a des moments où, putain, je fais vraiment, mais vraiment n'importe quoi. Coup de chance. Un mec derrière moi. C'est minable. Ouais, bah je suis encore dans les derniers, quoi. Un dauphin qui tire avec son zizi. Bon voilà, c'était Visi Gaming cette fois-ci sur le jeu d'armes de Call of Duty Black Ops 3. Vous pouvez toujours partager mes vidéos, les commenter et les liker, ça me fait vraiment vraiment plaisir. Si vous avez des commentaires à me faire sur mon gameplay, sur vous avez des petites astuces, tout ça à me dire, il n'y a pas de souci, vous pouvez me les dire. Un petit like, ça ferait plaisir. Et surtout, amusez-vous bien sur tous vos jeux en cours.